Le jury se dit fier au niveau des candidats, ce qui augure des résultats excellents de ce secteur pédagogique à l'examen du CEPE et à l'entrée en sixième. Le concours de lecture a été remporté par l'élève d'APA Alexandre Assé de l'école primaire publique Moussikro 1 et les génies en œuvre par l'équipe de l'EPV Diop. Quant aux jeunes filles, elles se sont bien illustrées dans ces différentes épreuves. Pour le parrain de la manifestation, Swalio Nyamboté, directeur général d'administration du conseil régional de l'Indénié Djouablin, la lecture représente la clé d'accès au savoir universel. Le parrain a même révélé que l'amour du livre et le goût de la lecture pourraient constituer des canaux efficaces pour la lutte contre les grossesses en milieu scolaire. Il a lancé un appel aux structures concernées et à la communauté éducative afin de mener des réflexions sur les liens entre incitation à la lecture et lutte contre les grossesses précoces d'écolières et de jeunes collégiennes. Des personnalités du monde éducatif et de la société civile d'Abengourou ont apporté leur contribution au succès de cette fête de l'excellence. Tous les participants au concours ont reçu de nombreux lots constitués de kits scolaires, de sacs d'école, d'abonnements à une bibliothèque, de bons de formation en informatique et de nombreux livres de lecture générale. Le secteur pédagogique de Moussikro regroupe 13 écoles pour un effectif total de 3 792 élèves.